Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un livre que je trouve particulièrement intéressant et assez fascinant, notamment parce que j'ai pas tout compris, et qu'il propose une forme de résistance, justement, à la compréhension d'un schéma rationnel, et pour autant, qui reste entêtant. C'est un livre qui est sorti il y a quelques années déjà, et j'arrête pas d'y revenir, d'y réfléchir. Aussi parce qu'il propose des pistes de réflexion qui sont particulièrement stimulantes, parce qu'il propose un plaisir de voir, un plaisir d'essayer de construire mentalement une représentation d'un récit, une représentation d'une histoire qui est en train de se faire avec des personnages qui sont virtuels et en même temps très, très, très matériels. Donc je parlais de Oxo de Museau 3000. Cet auteur a travaillé, a pas mal évolué dans le milieu du fanzina. Il a publié notamment dans Gorgonzola, dans les petits fascicules 3 qui regroupaient trois auteurs qui étaient proposés par Uchikuchi. On retrouve plusieurs de ses récits sur le site internet 8 Page Comics, qui est tenu par l'employé du mois. C'était publié chez Bicéphale en 2014. Et c'est un album qui est passé un peu trop inaperçu, mais probablement aussi parce qu'il n'est pas si évident à aborder. Ses dessins, réalisé très probablement par un logiciel 3D qui bouge dans l'espace, que l'auteur pourrait manipuler assez aisément. Pour Oxo, il adopte un gaufrier, une construction régulière, qui permet d'avoir, pour tout ce genre de récits un peu expérimentaux, une forme de rythmique particulièrement régulière. Au-delà de cette construction régulière, on peut voir que se joue une forme de dualité dans l'image, avec ce qui pourrait être les deux personnages, un peu comme deux souris, réalisées avec des cubes, des formes très simples, et tout le travail de trame, d'agrément de l'image, qui va venir dynamiser les cases, donner beaucoup d'énergie, mais aussi venir un petit peu contrarier la figuration. C'est un peu comme si on avait deux univers parallèles qui jouaient l'un contre l'autre, qui se débattaient, ces personnages qui essaient d'interagir avec d'autres formes, des cubes, essayer d'ouvrir des clés, qui semblent jouer entre elles, parfois s'adresser, les trames, des motifs visuels qui viennent donner du bruit dans la figuration. On peut, je trouve, les comparer un petit peu à tout le travail d'onomatopée qu'on peut trouver chez Yokoyama. Même si on ne les comprend pas toujours, il y a une forme de dynamisme, quelque chose qui va parfois gêner la lecture, mais qui participe pleinement à la lecture. On peut voir que la case est un lieu de lutte entre certains éléments qu'on reconnaît comme étant des personnages du récit, puis une forme de tapisserie, de fond comment visuel, qui va venir parfois agresser ces personnages-là, se porter contre par transparence, et qui va commencer à opérer une forme de poétique du désastre. D'une part, on a ce dessin qui est très rigoureux, qui est très virtuel, qui pourrait manquer de chaleur, ou on ne retrouve pas forcément la main de l'auteur. On imagine plutôt le clic de la souris. On se projette beaucoup plus dans le calcul mathématique du logiciel qui propose ces images-là. Et en même temps, toutes ces agressions de l'image, toutes ces superpositions font émerger le travail plastique. Ça va donner de la chaleur à ce qui pourrait paraître froid, du chaos aussi dans ce qui pourrait paraître normé, et finalement de l'organique au virtuel. Donc finalement, c'est en transgressant, en agressant son image, en déchirant le tissu de la figuration de manière incessante, que le dessinateur donne à voir le véritable projet artistique qu'il déploie de case en case, de séquence en séquence. Il y a quand même une suite logique avec des motifs qui reviennent, des personnages qui évoluent en fonction des actions qui sont menées au sein de l'image. Mais l'auteur amène progressivement à une déroute de la raison, une incompréhension des images, et qui va même amener à une déstructuration complète de ce qu'on pourrait appeler donc le dispositif de la bande dessinée, avec des images qui vont complètement s'émanciper, donc à la fois des cases, du gaufrier, du jeu narratif supposé inhérent au travail au dispositif de la bande dessinée. Les cases deviennent de véritables motifs, des enjeux visuels en soi, et plus marquant encore, vers la fin, on arrive à une sorte d'annihilation totale de la bande dessinée, un petit peu comme s'il y avait un emballement de cette déconstruction
qui était un petit peu annoncé dès le début, comme si les gaz avaient de plus en plus de mal à raconter, que le système en soi avait du mal à contenir cette énergie, ce dynamisme de destruction, où les images deviennent de plus en plus silencieuses, reposantes, mais pour autant habitées par l'expérience de lecture du livre, hantées par la présence des personnages qui s'efface progressivement. Ce livre, à ce moment-là, peut être une critique du côté industriel, où on a donc ce système vectoriel, propre à une forme d'économie, un travail en chaîne qui se déroule, et puis qui se dérègle, qui s'emballe, et qui va vers sa propre destruction, c'est avec sa propre annihilation, pour arriver à une sorte de silence blanc, presque étourdissant, mais qui contient en soi tout le monde, c'est-à-dire toute la possibilité de la création d'un monde et toute la déstructuration de ce monde-là. Alors il y a une partie dont je n'ai pas parlé, qui est la présence du texte, qui, d'une manière tout aussi déroutante que le système visuel qui est mis en place, va à la fois égarer le lecteur et en même temps préciser les images. Un écho à ce qui est donné à voir, une forme d'accroche sémiotique. Le texte est, comme vous pouvez le dire, donné avec parcimonie. On pourrait supposer que ça pourrait être un appui à la narration, un appui à ces séquences un peu désordonnées et qui trouverait raison dans le texte. Alors là, il n'en est rien. Il participe en fait pleinement à cette entropie qui est en cours. Et c'est ce qui est assez beau, c'est-à-dire que tous les éléments de la BD, enfin, constitutifs de l'appareil de la bande dessinée, sont mis en échec les uns après les autres. Mais finalement, ces mises en échec proposent des espaces d'opacité qui, au contraire, nous ouvrent à une forme d'intensité poétique. Et je pense que c'est là que réside la plus grande puissance de cet album, que je vous encourage singulièrement à vous procurer, même si malheureusement les éditions Bicéphale n'existent plus. Essayez quand même de le lire, de vous le procurer, de discuter de ce que ce livre a pu sonder en chacun de nous, qui impose une forme de silence et qui rend sa description un peu difficile.